Stress, trois mots, je dirais danse. C'est d'abord un solo de danse où le mouvement est très important. C'est un combat entre l'organique et le mécanique, cirque, puisqu'il y a aussi une notion d'acrobatie, de tête à l'envers, de déplacement des repères et des espaces qui nous ramène un petit peu à l'acrobatie et un tout petit peu à la contorsion. Magie, puisqu'en effet, il y a de l'illusion. On ne sait plus exactement dans quel sens ce personnage évolue, s'il est en haut, en bas, sur les côtés. C'est un personnage qui essaye de faire bonne figure à tout instant, malgré les difficultés. Donc il en devient à la fois absurde, à la fois poétique, à la fois pathétique. C'est Haute-et-de-Garonne qu'on l'a créé il y a une quinzaine d'années maintenant. C'est une pièce qui a énormément tourné dans le monde entier, au moins une vingtaine de pays, que j'ai joué plus de 270 fois. C'est un peu à la fois ma pièce fétiche et un peu comme on a un livre de chevet, moi j'ai une pièce de danse de chevet, c'est presque.